Comment allez-vous? Alors, je reviens avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose un peu de spécial. Donc, on est au mois de janvier. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, on est le 12 janvier 2019 et ça fait, je crois, 9 ans qu'un tremblement de terre, donc cette catastrophe naturelle, a dévasté donc l'un de mes pays, Haïti. Donc, j'ai voulu vous parler de cet événement en vous racontant un peu où j'étais, donc ce jour-là. J'étais chez moi en Guadeloupe, je sortais du lycée et comme d'habitude après le lycée, ben, je prends une pause, je me déshabille, je mets mes vêtements de, voilà, de maison. Et avec la famille, on était au salon. Et ce jour-là, ben, notre télé s'est arrêtée, carrément. On ne sait pas pour quelle raison. Donc, la télé du salon s'est arrêtée. Cette histoire, j'aurais préféré vous la raconter à travers un ouvrage parce que j'ai écrit quelque chose sur cette période de tremblement de terre parce que, comme vous le savez, beaucoup de personnes ont écrit sur cette période. C'est de ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous donner 2, 4, 5 ouvrages. Et un sixième, un bonus sur cette catastrophe en fait, que j'ai pu lire jusque-là. J'espère en lire davantage. Donc j'aimerais vous partager avec vous ces 5-6 ouvrages afin de vous faire découvrir en fait cette catastrophe. Mais sachez que ces personnes ont écrit en étant donc sur place, ou les personnages sont sur place. Moi j'ai voulu faire un projet, enfin j'ai fait un projet, j'ai écrit sur cette catastrophe qui en fait représentait les personnes qui n'étaient pas sur place mais qui étaient ailleurs, dans pays étrangers. Et je souhaiterais un jour être publiée, pourquoi pas, ou travailler davantage sur ces écrits pour pouvoir peut-être être publiée. Je n'ai jamais vraiment parlé de ce projet, c'est la première fois que je mets ce projet, donc on va dire là, devant tout le monde. Je suis un peu émue aussi de parler de cet événement parce que ça a coûté la vie à beaucoup de personnes et c'est douloureux. C'était douloureux, c'est encore douloureux et je pense que ce sera toujours et encore douloureux. Toutefois, vous voulez en apprendre davantage sur ces écrits, pourquoi pas, je sais pas, peut-être que je serai publiée un jour, peut-être que je vais décider de publier des extraits, histoire d'avoir votre avis, etc. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'essentiel. Donc, je vais vous présenter les 5-6 ouvrages sur... donc, 5 ou 6 ouvrages sur le tremblement de terre. Donc, les ouvrages que j'ai pu lire jusqu'à présent. Peut-être qu'il y en a davantage, mais moi, c'est ceux-là que je connais. Je ne les ai pas tous en ma présence, mais j'en ai environ 3 dont je vais vous parler maintenant. Le premier, donc, que j'ai lu, c'est Haïti, Kimbella, 35 secondes et mon pays à reconstruire de Rodney Saint-Éloi. Alors, j'ai un article sur mon blog qui parle de cet ouvrage. Donc, je prends mon petit carnet pour vous en parler. Ce sera plus sympa devant moi. Donc, j'ai lu cet ouvrage, c'est le premier, à propos du tremblement de terre lorsque j'étais donc au lycée. Il faut savoir qu'en 2010, j'étais au lycée. Et c'est le premier ouvrage que j'ai trouvé donc au CDI et que j'ai emprunté pour pouvoir lire sur le tremblement de terre. Donc Rodney Saint-Éloi, c'est l'un des, c'est un auteur haïtien déjà, mais c'est lui aussi qui a créé donc, qui a fondé la maison d'édition qui est au Canada qui s'appelle Mémoire d'Encrier, si vous ne connaissez pas. Et cet ouvrage, en fait, parle de la situation des personnes qui étaient sur place. Il faut savoir qu'à cette période, il y avait donc beaucoup d'auteurs, d'artistes, etc. en Haïti parce que c'est la période d'un festival, je crois, qui s'appelle Étonnant Voyageur. Donc, il nous explique, en fait, ce qui s'est passé, comment, avec d'autres écrivains qui étaient présents, notamment Daniel Laferrière, etc. Enfin, beaucoup d'écrivains ont vécu cette tragédie, comment la population, donc les autochtones ont vécu, les haïtiens quoi, et haïtiennes ont vécu cette catastrophe. Et ce qui m'a plu vraiment, c'était que j'avais enfin un retour de quelqu'un qui était vraiment présent, enfin où le personnage, les personnages étaient vraiment présents. Et pour moi, c'était de la fiction mais plus de la réalité, en sachant que cet événement s'est vraiment passé. Donc ça m'avait vraiment plu d'avoir un retour de la part de quelqu'un qui était vraiment là-bas parce que nous, en étant à l'extérieur, ne sachant pas ce qui se passait, c'était
je ne veux pas dire aussi difficile, mais c'était quand même difficile pour les proches et autres qui n'avaient pas de nouvelles. Donc pour moi, c'était un peu une bulle d'air pour un peu comprendre aussi ce que certaines personnes ont pu vivre ce jour-là. Voilà. Je vais continuer donc avec Les Immortels donc de Mackenzie Orcel. Donc Les Immortels ici présents. Donc ici j'ai Les Immortels éditions Point. C'est un ouvrage que j'ai acheté du coup à la Pléiade en Haïti. J'ai même la date, c'était le 10 août 2015. Donc lors d'un voyage avec ma famille. Je crois que là, c'était avec ma mère uniquement. J'ai acheté cet ouvrage et c'est le premier ouvrage que j'ai lu de Mackenzie Orcel. Je vous laisse du coup un article aussi en barre d'infos parce que j'ai un article qui parle de cet ouvrage que j'ai adoré. Donc cet ouvrage, c'est la porte en entrée pour moi des œuvres de Mackenzie Orcel. Je n'ai pas lu sa poésie jusque-là, malheureusement. Enfin, j'ai lu des extraits de Mi Wo Mi Ba l'année dernière. Mais, pardon, je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment... plonger dedans. Tout ça pour vous dire que ici, ça nous parle en fait de l'histoire des prostituées, des péripatéticiennes à Port-au-Prince après le tremblement de terre donc du 12 janvier. Et ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Shakira qui va quitter son foyer initial pour en fait vivre là-bas avec les autres, ses collègues, on va dire. Et là, on a une Shakira, jeune fille, qui aspire donc à vivre un peu comme les personnages des romans de son auteur préféré, qui est Jacques Stephen Alexis, que tout le monde connaît, je pense, maintenant, et qui est vraiment une référence de la littérature haïtienne. Et voilà, on part un peu... avec cette jeune femme qui en fait raconte si on veut sa vie ou la vie des autres femmes dans sa situation à un écrivain. C'est très 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 touchant je trouve. C'est une histoire en fait qui m'a un peu chamboulée dans le sens où déjà ça s'appelle Les Immortels et c'est le nom qu'on donne à ces fameuses donc, prostituées qui sont toujours là, c'est vrai, c'est l'un des métiers qui a toujours existé. Et j'ai trouvé ça très touchant de parler de ces femmes, de donner la voix en fait à ces femmes et de permettre à cette Shakira d'exister probablement pour toujours et comme elle le souhaitait, comme un personnage de roman. Donc voilà, je ne vais pas plus vous en dire mais ça vaut le coup de le lire. Je pense que même moi je vais m'y mettre à nouveau, je vais le lire à nouveau parce que c'est très court, je pense que c'est possible de lire ça rapidement. Et en plus, vu la période, en fait, ça s'y prête peut-être. Voilà. On continue avec Belle Merveille. Donc, Belle Merveille de James Noel. Donc, c'est le premier roman de cet auteur qui est à la base un poète. Je n'ai pas lu beaucoup de poésie de cet auteur. J'ai lu le pyromane. Je me souviens plus du titre, je le mettrai par ici. J'ai le recueil avec moi à la maison que j'ai lu, que j'ai adoré parce que j'ai trouvé ça très atypique, drôle, intéressant, je sais pas, ça m'a aussi captivée, c'était vraiment vraiment bien. J'en ai pas lu plus mais j'espère pouvoir continuer. Donc ce roman donc, nous raconte la vie d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une femme qui va partir pour quitter donc ce pays qui est meurtri, qui est mal suite à ce cataclysme très déchirant. Et cette jeune femme qui s'appelle Amore est un peu comme une muse pour moi parce qu'il découvre cette femme, il découvre ses courbes, il découvre son corps. Et pour moi, c'est aussi une façon de découvrir la vie, mais d'une autre façon. Même si on est asphyxié par un environnement qui est tombant, qui est dégringolant, qui est mal. Et il va finir malheureusement par quitter le pays. Mais voilà, je trouve que c'est un récit, très intéressant. Écrit à la manière un peu d'un... C'est une prose, mais on voit que c'est de la poésie.
Et il y a aussi ce commencement avec un papillon, avec... Je sais pas si vous connaissez la chanson de... Papaléba. Enfin, ça me rappelle tout ça. Et je trouve ça très poétique. Ça tombe aussi dans tout ce qui est mythologie ou légende haïtienne. Et j'ai vraiment, vraiment aimé. Ça fait voyager. Et j'ai une vidéo dédiée du coup à cet ouvrage uniquement que je vous mettrai là. Donc, Belle Merveille de James Noël fait partie de ces écrits qui nous montrent un peu comment le tremblement de terre et autres choses qui ont découlé, les ONG, etc., les aides qui ont découlé suite à ce cataclysme, pardon, du 12 janvier. On continue avec Tout bouge autour de moi. Donc, je ne l'ai pas avec moi, mais je vous mettrai une photo. Donc, de Dany Laferrière, un de mes auteurs préférés également. Donc, Tout bouge autour de moi. Ben, c'est un peu pour moi, c'est de la fiction, mais c'est un peu aussi pour moi de la réalité. Je ne veux pas dire autobiographique, mais ça s'apparente un peu. Et puis, ça parle de d'un personnage qui ressemble fortement à l'écrivain, qui se retrouve donc là-bas lors du tremblement de terre, qui ne comprend pas ce qui se passe, comme tout le monde hein, ce jour-là, parce que les gens ne savaient pas vraiment, certains ne savaient pas vraiment ce que c'était un tremblement de terre. C'était certainement la première fois qu'on avait ressenti quelque chose avec cette ampleur. Les gens ne savaient pas quoi faire vraiment. Et lui aussi, qui pourtant a l'habitude de vivre dans le pays où on parle des tremblements de terre, on connaît les premiers gestes, etc. Se cacher sur une table, enfin se mettre. Voilà. Mais lui, ça, c'est. Voilà. C'est un peu étouffant, etc. Jusqu'au moment où il peut enfin rentrer chez lui. On apprend aussi toute l'inquiétude qu'a sa femme chez lui. Enfin, ça nous raconte vraiment le tremblement de terre. Un point de vue parmi tant d'autres, mais bon à prendre, je pense. Et que moi, j'ai apprécié parce qu'en général, j'aime beaucoup la plume de cet auteur parce qu'il me fait rire à la fois. Il me fait. En fait, je ressens beaucoup de choses. Je m'identifie au personnage à chaque fois ou presque tout le temps lorsque je lis les ouvrages de Dany Laferrière. Donc, voilà, l'un des ouvrages encore qui parle de ce cataclysme qui a touché le pays. Donc, Tout bouge autour de moi de Dany Laferrière. Je vais clôturer donc cette vidéo avec Danser les ombres. Donc, Danser les ombres de Laurent Godet. Laurent Godet est très connu en France, mais notamment en Haïti, parce que je crois qu'il a vécu ou il vit là-bas. Je ne sais plus très bien. Mais ici, il nous raconte donc l'histoire d'une jeune fille qui doit s'appelle Lucine, qui arrive de Jacmel, du sud du pays, et qui se voit donc propulsée à Port-au-Prince pour des raisons, je crois. Familiale, ça va pas trop bien, donc elle s'échappe un peu, on va dire, de Jacmel pour aller à Port-au-Prince pour que ça aille mieux. Et là, elle va se retrouver dans cela, en fait, dans le tremblement de terre, aérée comme ça, un peu comme toutes ces personnes qui vont errer parce qu'on n'a plus de lieu d'habitation, mais aussi parce qu'il y a des âmes qui vont errer là-bas parce qu'il y a eu des morts, des blessés, etc. On voit aussi que il y aura beaucoup de choses qui vont découler de tout ça. Et ces œuvres sont, enfin cette œuvre, pardon, est vraiment touchante, plus vers la fin pour moi qu'au départ, parce qu'au départ pour moi c'était très compliqué de lire cet ouvrage. Je me disais mais qu'est-ce que, enfin, je comprenais pas encore cet ouvrage et j'ai dû finir et laisser décanter pour voir. M'en remettre. Et finalement, je pense que c'est un ouvrage à ne pas rater du tout. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, c'est vraiment un ouvrage à ne pas manquer. Donc, Danser les ombres de Laurent Godet. J'ai un article également sur cet ouvrage que je vous laisserai en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir tout ça sur mon blog. Et voilà. Sinon, je sais qu'il y a d'autres ouvrages, d'autres auteurs, notamment Yannick Lahens qui a écrit, je crois, Faille. Enfin, il y a beaucoup d'autres ouvrages que je n'ai pas lus encore, malheureusement. Je vais m'y mettre, bien sûr. En tout cas, si vous avez lu des ouvrages qui ont un rapport avec le tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti, n'hésitez pas à m'en parler, à me laisser des commentaires.
à m'envoyer ces titres. Comme ça, je peux les mettre moi sur mes, sur ma liste, hein, sur ma liste d'ouvrages à lire prochainement. Et je vous remercie en fait d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse donc mes réseaux sociaux et tout ce qu'il faut pour pouvoir me suivre. Donc vous avez bien sûr ma page Facebook, mon Twitter, mon Instagram, cette page YouTube et également, je crois que j'ai tout dit, ma page Facebook, peut-être que j'ai oublié. Je vous souhaite encore une bonne année 2019. Mes hommages à toutes ces personnes donc, qui ont disparu ce 12 janvier d'une façon tragique malheureusement. Et je vous dis ben, que la vie continue et qu'on continue à ne pas oublier ces personnes, à ne pas oublier ce moment et à se rappeler en fait qu'on est des... à vraiment se souvenir qu'on est des humains et que des petites choses comme ça peuvent faire basculer une vie ou plusieurs vies. Voilà. Je sais, cette note est un peu triste, mais bon, voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Bisous !